Bonjour, donc aujourd'hui nous allons voir ce très beau granit qui a la particularité d'avoir un rang qui est fait en bride et qui permet de faire un relief supplémentaire à ce granit qui est tout simple. Et c'est ce rang qui va donner vraiment la beauté de ce granit. Alors pour le faire, vous faites un rond, un nœud magique. Donc d'habitude, il n'y a pas besoin de laisser beaucoup de laine, mais là, ici, aujourd'hui, on va en laisser un peu plus, entre 10 et 15 cm, et vous allez voir pourquoi, c'est pour la fin, lorsqu'il sera fini. Donc là, vous faites votre nœud magique. Moi, je le fais toujours très simple, il n'y a pas besoin de faire plusieurs tours, ça ne sert à rien. Il se commence donc par 6 brides. Donc je fais les 3 mailles en l'air pour la première bride. 2 mailles en l'air pour l'arceau et vous faites ça en tout 6 fois. Donc là, il y a déjà une fois, deux fois, trois fois, quatre fois, cinq fois et 6 fois. Donc, comme d'habitude, je recompte. Un arceau, 2, 3, 4, 5, et il ne manque que les 2 mailles en l'air. Et voilà. Je tire le centre et je ferme. Et voilà. Mon premier rang est fait. Vous voyez, j'ai quand même laissé une bonne longueur de fil. Et vous verrez tout ça pourquoi après. Donc là, nous allons faire le deuxième rang. Le deuxième rang, il est fait simplement. Vous faites donc aussi 3 mailles en l'air pour la première bride. Ensuite, vous faites 3 brides dans l'arceau. Et voilà, votre rang va être fait. Vous refaites donc une bride. Vous le faites 6 fois. Donc je vais arrêter l'enregistrement et nous nous retrouverons lorsque ce rang sera fini. À tout de suite. Donc voilà, je viens de terminer les 3 dernières brides qui devaient être faites dans l'arceau. Vous faites une maille coulée pour fermer votre rang. Et voilà. Nous allons faire le troisième rang. Donc c'est toujours la même chose. Vous faites 3 mailles en l'air pour démarrer. Les 3 mailles en l'air vont servir à remplacer la première bride. Une bride sur chaque bride. Ensuite, vous faites sur la bride, toujours dans l'axe des autres brides, vous faites une bride, deux mailles en l'air et une bride. Voilà. Commencer 3 brides. Et nous arrivons toujours dans l'axe du rang des brides. Donc une bride, 2 mailles en l'air et une bride. Voilà. Et vous faites ça sur tout le rang. Voilà ce que ça donne. Je vous retrouve lorsque j'aurai fini ce rang. À tout de suite. Donc voilà, je suis arrivée à mon dernier bloc de l'étoile à faire. Donc j'ai fait la bride, deux mailles en l'air, une bride, trois brides et vous terminez en refaisant une bride sur la première bride qui est symbolisée par trois mailles en l'air. Donc vous refaites une bride, deux mailles en l'air et vous venez fermer votre rang sur les trois mailles en l'air qui représentent la première bride. Le rang est fini. Nous allons passer au quatrième. Donc là, c'est pareil, la première bride est symbolisée en théorie par 3 mailles en l'air. Là, je n'en fais que 2 parce que nous allons faire un bloc qui va être fermé. Alors, vous faites une bride sur les autres brides sans les fermer, vous les gardez sur le crochet. Donc on en fait 4. 1, 2, 3, 4 et la cinquième qui est représenté par les mailles en l'air. Vous fermez l'ensemble et voilà, votre pointe est faite. Vous faites 4 mailles en l'air, 1, 2, 3,
4, et une maille serrée dans le petit arceau de 2 mailles en l'air. Voilà, vous recommencez, donc 4 mailles en l'air. Et là, vous faites les 5 brides sans les fermer. 3, 4 et un 5. Et là, vous fermez le tout. Moi, je refais toujours une boucle pour mieux fermer, pour mieux terminer le rang. Donc, à nouveau, 4 mailles en l'air. Une maille serrée dans l'arceau. Et voilà, ça prend forme. Je vais couper l'enregistrement. Nous allons nous retrouver à la fin du rang. A tout de suite. Donc voilà, j'ai terminé mon dernier rang. Je l'ai raccroché à la pointe des 5 brides fermées ensemble. Vous recommencez par 3 mailles en l'air. Et là maintenant, nous allons passer aux brides torse. Alors en théorie, les brides, nous avons l'habitude de les faire comme ça. Là, vous devez piquer le crochet en dessous et reprendre votre jeté. Et voilà. En fait, vous les faites de l'endroit à l'envers. Donc un petit peu de dextérité. Voilà. Voilà deux. Alors pourquoi il faut les prendre comme ça? Tout simplement parce que ça va les tenir. Je vais poser le crochet et je vais vous faire voir tout de suite, ça redresse, mais alors ça ne va pas descendre, hein, ça ne va pas bouger. Vous voyez? Je vais vous faire voir comme ça. Voilà. Et au moins vous serez sûr que ça ne va pas bouger. Bon, c'est un petit coup de main à prendre. Donc on continue, vous en faites 3 sur la bride qui est à l'extérieur de votre feuille. Et vous en faites 3 à chaque rang. 1, 2 et 3. Voilà, donc ça c'était sur le deuxième rang. Et nous allons le faire aussi sur la bride du premier rang. 1, 2 et un 3. Alors si vraiment vous n'y arrivez pas, c'est pas grave, vous faites des brides normales, hein, vous les piquez normalement. Je retire le crochet pour vous faire voir. Et voilà ce que ça donne. Vous voyez, le rebord revient vers l'intérieur, donc ça redonne de la profondeur sur le pétale. Et nous continuons. Donc là, nous avons fait nos 9 brides torse et vous faites une maille serrée entre... Je vais vous faire voir. Je vais reprendre le plan. Vous faites une maille serrée entre les pétales, c'est-à-dire vous le faites au milieu de la bride du premier rang. Voilà, donc vous faites une maille serrée. Et vous repartez directement, vous tournez votre travail, et vous repartez directement ici sur le premier rang. Donc c'est un petit peu de dextérité, hein. Mais après, une fois que vous vous êtes repéré, c'est bon. Une bride. Deux brides. Donc, comme je vous disais, si vous n'arrivez pas à faire des brides torse sur ce modèle, ce que je comprends tout à fait, surtout si vous êtes débutante, c'est pas grave, vous faites des brides normales. Voilà, mes 3 sont faites. Je continue sur le deuxième rang, toujours en les prenant à l'envers. C'est la quatrième. La cinquième. Et la sixième. Voilà, donc là maintenant je passe au troisième rang. Donc toujours la
première bride, hein, celle du bord, et on recommence. Si mademoiselle veut bien se laisser prendre. Voilà. Et là, vous faites 9 brides torse, enfin 3 en tout. Je vais vous refaire après le décompte. Voilà. Voilà ce que ça donne. Je vais retirer ça. Voilà ce que ça donne. Vous voyez ? Ça tient vraiment bien. Ça ne bouge pas. Donc là, il y en a 9. 9 brides torse. Une maille serrée sur la bride du premier rang. Vous refaites 9 brides torse. Et vous allez refaire une bride normale. Ou si vous vous sentez d'attaque, vous pouvez très bien aussi refaire une bride torse. Ce que moi, je vais faire. Donc là, vous piquez dans la maille. Voilà. Et maintenant, je vais redescendre sur ce rang, hein, c'est-à-dire sur les brides qui sont à l'extérieur du pétale, et je vais en refaire 9, etc., etc. Je vais arrêter l'enregistrement et nous allons nous retrouver lorsque ce rang sera fini. A tout de suite. Voilà, je viens de terminer mon rang de brides torse. Donc, pour les débutantes, si vous n'avez pas une bonne dextérité au niveau du crochet, faites des brides normales. Parce que il faut savoir quand même bien manipuler le crochet pour pouvoir le faire. Des brides normales, il n'y aura pas tellement de différence, hormis que le, voyez, l'arrondi sera un peu plus droit. Là, les brides torse redonnent recourbe un peu plus vers l'intérieur le pétale. C'est ce qui donne cette belle profondeur. Alors, je vais vous dire aussi, pourtant je suis expérimentée au niveau du crochet, mais même moi, en redémarrant un nouveau pétale, les automatismes reviennent immédiatement. J'ai fait des brides au lieu de brides torse. Bon, c'est pas trop grave, quand c'est comme ça, on démonte et hop, on refait. Donc c'est pour ça, je vous dis, si vraiment vous n'avez pas trop l'habitude des brides torse, c'est pas trop grave, vous le faites en bride normale. Vous aurez aussi beaucoup moins de mal et ça va aussi beaucoup plus vite. Donc vous terminez votre pétale par une maille coulée sur la maille, les deux brides qui symbolisent la première bride. Il reste encore un rang à faire. Pour cela, vous refaites une maille coulée sur la maille en l'air de départ. Vous refaites une petite maille en l'air pour descendre. Et là, vous faites des mailles serrées. Et je n'ai pas compté combien je devais en faire. Je crois on en fait 5. On voit 1, 2, 3, 4, 5. Oui. Alors, ce rang-là permet de se raccrocher aux autres granits. Alors, pourquoi en faire 5? Tout simplement parce que vous allez vous raccrocher avec celle du milieu. C'est ce qu'il y a de plus simple. Et vous faites encore 5 mailles serrées. Donc 2. Et vous voyez, donc si vous voulez vous raccrocher à un autre granit, hop, c'est avec la troisième, celle du milieu, que vous allez pouvoir le faire. Hein. Donc vous faites votre boucle, vous repassez votre crochet dans l'autre granit et vous retirez. Et voilà, vous avez votre raccord qui est fait sans problème. 3. Voilà. Je recompte. 1, 2, 3, 4. Il n'y en manque une. Voilà, on se retrouve lorsque ce rang est fini. A tout de suite. Voilà, je viens de terminer mes dernières 5 mailles serrées sur le dernier arceau. Et pour finir votre granit, vous refaites une maille coulée sur la petite maille en l'air que j'avais faite avant de démarrer mon rang. Je refais une maille en l'air pour fermer. Et là, vous coupez et voilà. Voilà votre granit qui est fait. C'est très joli. Alors, avant de continuer pour autre chose, c'est un échantillon que j'ai fait avec une laine pour un crochet numéro 4. Donc, je vais vous donner la mesure, parce que je sais que vous aimez. Il fait 14 cm. On va reprendre d'un autre côté. 14 cm, voilà.
Il se raccroche deux par deux, là, ensuite ici, et enfin là. Si vous voulez un modèle beaucoup plus fin, là j'ai utilisé de la laine, hein. Vous prenez un coton, un fil beaucoup plus fin. L'idéal c'est un crochet numéro 2, 2,5, pour avoir des motifs beaucoup plus petits. On peut éventuellement le refaire encore un peu plus gros pour par exemple un poncho d'hiver. À ce moment-là, vous pouvez prendre une laine beaucoup plus grosse. C'est tout à fait faisable. Je trouve que ça serait sympathique. C'est peut-être une idée d'ailleurs à creuser. Alors, tout à l'heure, quand j'ai démarré, je dis surtout vous laisser du fil. Ce fil va vous permettre de passer sur le modèle. Il y a une petite perle. Donc, vous enfilez votre perle sur votre laine et vous le repassez ici. Ça vous évite d'avoir à recoudre, enfin, granit par granit, une nouvelle perle. Je vais d'ailleurs faire la démonstration. Je vais aller chercher ce qu'il faut. À tout de suite. Donc voilà, je vais vous faire voir comment on peut mettre une petite perle. Alors faites attention dans le choix de vos perles, hein. Surtout que là, c'est une laine assez épaisse. Prenez des perles où vous pouvez passer facilement une aiguille et une laine assez grosse. J'ai trouvé une petite perle qui va avec. Donc vous voyez, vous l'enfilez. Et vous recousez votre perle. Voilà, voilà le résultat. Voilà. Ça redonne un petit chic en plus. Je vais finir de la fixer correctement. Alors l'avantage d'avoir le fil qui vient directement du granit, c'est que cela vous évite beaucoup de nœuds à refaire. C'est plus simple. Donc, je vais finir. Hop. Un point d'arrêt. Et voilà. Je vais récapituler avec vous. Voilà. Vous voyez? Je trouve que c'est très 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 mignon. Je pensais mettre une autre perle un peu plus grosse, mais le chat est trop gros. Elle est où la perle que je voulais vous mettre? Hop là, voilà. Je pensais mettre un bouton demi-lune, mais le chat est trop petit. La demi-lune, je trouve que ça aurait été beaucoup plus beau aussi. Alors, éventuellement, on peut le mettre, mais à ce moment-là, sachez qu'il vous faut un autre fil. C'est un peu plus de manipulation, mais le résultat est aussi beau. Aussi beau, oui, tout à fait. Alors, je récapitule. C'est un modèle qui est assez simple à faire. La difficulté, ce sont les brides torse. Si vous ne savez pas manipuler correctement, vous êtes débutante, vous n'avez pas trop l'habitude de faire des brides torse, c'est pas un problème, vous faites des brides normales que vous piquez dans le rang plutôt que de la faire torse. L'avantage de la bride torse, c'est que ça vous donne un relief quand même très intéressant. Voilà, j'ai fini. Là, c'est une laine épaisse pour un crochet numéro 4. Si vous voulez un motif plus fin, vous diminuez votre fil, c'est-à-dire par exemple pour un crochet numéro 2, 2 à 3. Là, vous aurez des beaux petits granits. J'aime beaucoup ce que je viens de faire, tout simplement parce que ça me donne beaucoup d'idées que je développerai plus tard. On verra ça ensemble. Tout compte fait, bah, 14 cm, ça va quand même encore assez vite à faire pour un pull, un gilet ou garnir un poncho ou plein d'autres choses à étudier. On verra ça plus tard. Voilà, je vous souhaite une très très bonne journée. À bientôt. Au revoir.